Sim, que é vida, e é vida.
Le Seigneur Jésus t'aime. Jésus t'aime ce soir encore. C'est pourquoi il nous envoie ici. Nous sommes là pour te parler. C'est pourquoi il nous envoie ici. Nous sommes en ce lieu précis. C'est pourquoi il nous envoie ici. Nous sommes en ce lieu précis. Le Seigneur Jésus nous envoie ici. Le Seigneur nous envoie en ce lieu précis. À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Donc bien-aimé. Bien-aimé. Lorsque tu vas entendre la parole de Dieu. Tu vas entendre cette parole. Oui. Ne le rejette pas. Oh, ne dissipe pas ton cœur. Ne rejette pas cette parole. Pas les paroles là-dessus. Parce que cette parole que tu vas entendre aujourd'hui. Cette parole que tu vas entendre. C'est ça, tu vas nourrir ton âme. Oh, elle va nourrir ton âme. C'est ça, tu vas nourrir ton âme. Elle va nourrir ton âme. C'est ça, tu vas te grandir. Oh, elle va te faire grandir. Oui, c'est ça, tu vas te rapprocher de ton cœur. Cette parole-là va éclairer ton chemin. Oui, le Seigneur Jésus nous envoie ici. Jésus nous envoie en ce lieu. À cause de toi, mon frère. À cause de toi. Parce que les temps sont finis. Parce que les temps sont finis. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Que Jésus-Christ nous envoie ici encore. Nous devons en ce lieu encore. Pour interpeller quelqu'un. Pour interpeller quelqu'un en ce soir. Pour interpeller quelqu'un. Pour interpeller quelqu'un en ce soir. Pour interpeller bien-aimé. Parce que tu as encore le souffle de vie. Parce que quand tu es vivant, sache que ce souffle de vie va te quitter un jour. Le souffle de vie est temps. Sache que le souffle de vie tient toi. Ce souffle de vie là. Le souffle de vie va te lâcher. Un jour, ça va te lâcher. Un jour, ce souffle de vie va te lâcher. Ça va te lâcher. Bien aimé. Bien aimé. Nous sommes enseignés. Nous sommes enseignés. On a l'air. Non pour te condamner. Non pour condamner qui que ce soit. Non pour te juger. Non pour juger qui que ce soit. Mais bien aimé. C'est pour t'encadrer. C'est pour te montrer le chemin. C'est pour te montrer le chemin. C'est pour te montrer la voie. C'est pour toi ce soir, bien aimé. Pourquoi ce soir? Si tu as encore le souffle de vie. Si tu as le souffle de vie. C'est grâce à Jésus. Oh, c'est une grâce. Si tu as encore le souffle de vie. Si tu as le souffle de vie. C'est grâce au Seigneur Jésus. C'est grâce à Jésus. Mais ce n'est pas par tes forces. C'est pas par tes moyens. C'est pas par tes moyens. C'est pas ton argent. C'est pas ton argent. C'est pas tes biens. C'est pas tes biens. Tu t'as donné. Le souffle de vie. Le souffle de vie. Mais c'est grâce au Seigneur Jésus. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole. Il dit dans sa parole. Il tient. Il tient. Il tient. L'âme. Oh l'âme. De tout ce qui vit. De tout ce qui vit. Mais là, si tu vis aujourd'hui. Si tu vis. C'est grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus. Encore le souffle de vie. Si tu es vivant. Oui, c'est grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous prenons les Écritures. Nous prenons les Écritures. Un peu salut. 5:14. 1 Thessaloniciens 5. Bien, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Reprends les Écritures. 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 14. Bien, écoute la parole de Dieu. Parce que cette parole va te faire du bien ce soir. Alléluia. Parce que cette parole va nourrir ton âme ce soir. Parce que cette parole va te grandir ce soir. Cette parole, allez, ça va te nourrir ce soir. C'est pourquoi lorsque tu vas laisser 5. C'est pourquoi lorsque tu vas entendre cette parole, ne ferme pas la porte de ton cœur. Alléluia. Ne ferme pas la porte de ton cœur. Mais dis à Jésus de venir prendre. La première part dans ton cœur. Alléluia. Tu as trouvé. Alléluia. Tu as trouvé. 1 Thessaloniciens 5. Ok, lis-nous 1 Thessaloniciens 5. Verset 14. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui, avec respect. Nous vous prions aussi. Mon frère, ma soeur, nous vous prions aussi. Frère. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ne prends cette partie-là. Ne prends cette partie, quelqu'un n'a pas encore compris. Nous vous prions aussi. Nous vous prions aussi. Frère. Frère. Avertissez.
avec tu sais. Ceux qui vivent dans le désordre. Le Seigneur nous envoie ici pour avertir ceux qui vivent dans le désordre. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes présents ici. Nous sommes en ce lieu. C'est pourquoi nous sommes en ce lieu. Alléluia. Les personnes qui vivent dans le désordre. Parce que tu vis dans le désordre. Le Seigneur Jésus. Alors le Seigneur. Qui a vu l'état de ton cœur. Oh, qui a vu l'état de ton cœur. Qui a vu ton comportement. Qui a vu la vie que tu mènes. Qui a vu la vie que tu mènes. Qui a vu ton cœur. Pourquoi le Seigneur nous envoie ici. Il nous amène ici. Oui, pour t'avertir. Pour t'encadrer. Pour corriger. Pour corriger. Non pour juger quelqu'un. Non pour juger. Mais cette parole. Cette parole. Oui, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Pourquoi le Seigneur connaît ton cœur. Oh, le Seigneur connaît ton cœur. Il nous envoie ici. Et il nous envoie ici. Oui, la parole. Et je relis cette parole. Oui, cette parole. Dans le ciel. 5. Verset 14. Je lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu avec respect. Nous vous prions aussi. Frère. Avertissez. Ceux qui vivent dans le désordre. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit avertissez. Avertissez. Ceux qui vivent dans le désordre. Dans le désordre. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Pourquoi le Seigneur nous envoie ici? Le Seigneur nous envoie en ce lieu. Avertissez. Toi qui vis dans le désordre. Toi qui vis comme tu veux. Toi qui vis dans le péché. Toi qui vis dans le péché. Toi qui vis dans le concubinage. Toi qui vis dans le concubinage. Toi qui vis dans le mensonge. Oh, mensonge. Toi qui vis dans l'hypocrisie. Dans l'hypocrisie. Dans l'adultère. Dans l'orgueil. Toi qui vis dans la fornication. Toi qui vis dans l'impurité. Toi qui vis dans la masturbation. Consolez ceux qui sont abattus. Que le Seigneur Jésus connaît les pas de ton cœur. Il connaît ta vie. Il connaît ses enfants qui sont assemblés. Plus je suis abattu. Plus je suis. À cause de les pasteurs. Plus je suis découragé. À cause de l'église. Plus je suis découragé. Plus je suis. À cause de les familles. Plus je suis découragé. À cause de l'entourage. Seigneur Jésus te console ce soir. Jésus Christ te console ce soir. Jésus Christ te console ce soir. Lui tu sens le cœur. Lui tu connais le cœur. Lui tu crains le cœur. Lui te console ce soir. Parce qu'il est dans la vie. Parce que lui il est Dieu. Toi tu as battu ce soir. Toi qui as battu. Que le Seigneur te fortifie. 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 Continue. Gloire à Jésus. Supportez les faibles. Le Seigneur dit quoi? De supporter les gens. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Bien-aimé, toi tu as battu ce soir. Toi qui es abattu. Sois fortifié. Sois fortifié. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. La marche en colombe. La marche est longue. Viens vers le ciel. Oh, allons au ciel. Accroche le Seigneur. Accroche-toi à Jésus. Les tâches flèvent. On s'en ne dis pas que. On ne dit pas non, que. Telle personne m'a fait ce soir. Parce qu'elle est de courir. Telle mon passion m'a déçu. Que je vais éloigner. Que je vais abandonner le Seigneur. Laisse-moi te dire. Il est temps maintenant. Il est temps. D'accrocher le Seigneur. D'accrocher. Parce qu'il meurt. Parce que. Seigneur Jésus. Jésus. C'est qui il attend de toi. Oh. C'est qui il attend de toi. C'est qui il attend de toi. C'est qui il attend de toi. Ta détermination. Tu dois être déterminé. Ta détermination. Tu dois être déterminé. Le Seigneur veut t'éprouver. Il veut t'éprouver. C'est pourquoi il envoie ces choses. Il envoie les choses. Oui, fais-toi. Accroche-toi. Vois si tu l'aimes. Vois si tu es vraiment le. Vois si tu l'aimes. Vois si tu es vraiment déterminé. Continue avec toi. Attache-toi à Jésus. Verset 15. Le verset 15 nous dit. Le verset 15. Prenez garde. Le Seigneur dit prenez garde. Prenez garde. Prenez garde. Que personne. Que personne. De rien à autrui. Le mal pour le mal. Oh, bien-aimé. Toi tu marches. Toi tu marches pour le mal. Toi tu marches à cause du mal. Toi tu marches. Oui. Parce que bien-aimé. Oui.
lui ton frère t'a trahi. Donc tu vas le rendre le bâle. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es en train de jouer ici, laisse-moi te dire, parce que le Seigneur va te demander. Oh, le Seigneur va te demander. Continue. Le Seigneur va te demander le compte. Alléluia. Mais poursuivez toujours le bien. Oh, le Seigneur dit poursuivez toujours le bien. Poursuivez le bien. Poursuivez le bien, bien-aimé. Poursuivez le bien. Mais laisse-moi te dire, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. À cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de l'autorité. À cause de bien qu'ils ont. À cause de la bien. À cause de la bien. Il marche sur les fers. Oh, il marche sur les fers. Il vient il les fers. Mais laisse-moi te dire. Tu n'arrêtes pas cela. Parce que le Seigneur Jésus connaît ton cœur. Je vais vous envoyer ici ce soir. Oh. Tu n'arrêtes pas. Je vais te dire. Tu n'arrêtes pas. Je vais te dire. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et c'est la mort éternelle. Le Seigneur va te demander le compte. Oui, t'es bien. J'aime bien. Sans en faveur aussi pour les pauvres. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue. Soit entre vous. Soit entre vous. Soit entre vous. Soit entre vous. Oui, poursuivez toujours le bien. Poursuivez toujours le bien. Soit entre vous. Soit entre vous. Soit envers tous. Soit envers tous. Bien-aimé. Soit envers tous. Alléluia. Soit passé avec tous. Alléluia. Soit, oui, avec ton frère. Soit. Oui, ne le rejette pas. Oui, soit le bien. Ne l'abandonne pas. Quand on est en argent. Oui, ne l'abandonne pas. Parce que aujourd'hui, tu manges bien. Parce que vous êtes aujourd'hui, tu as tout. Oui, ne l'abandonne pas. Bien oui, toi tu es dans ces hypocrisies. Toi tu es dans l'orgueil. L'orgueil. Le plaisir de ce que tu l'argent. Il est temps. Il est temps de renoncer à toutes ces choses. Il est temps maintenant de renoncer à tout ça. Parce que tes biens ne vont pas te contrôler. Bien ne pourra pas te sauver. Tes biens, oui, vont te conduire à la perdition. Tes biens vont se conduire à la perdition. C'est pourquoi mon frère, ma chère. Si tu attends ma voix ce soir, je commence à mettre de l'ordre de ta vie. De parce que nous sommes venus avec tout. Ceux qui vivent dans le désordre. Parce que nous sommes venus avec tout. Ceux qui vivent dans le désordre. Oui, mon frère, ma soeur. Quand tu attends cette voix, oui, accroche-toi, Seigneur. Accroche-toi de tes péchés. Accroche-toi de nos péchés. Oui, partout la justice. Partout la justice. Bien-aimé, le Seigneur n'aime pas les fraudeurs. Le Seigneur Jésus n'aime pas les fraudeurs. Il n'aime pas le que soit ton titre. Quelque le Seigneur Jésus n'aime pas les fraudeurs. Oui, bien-aimé. Quand tu fraudes, quand tu touches la corruption, bien-aimé. Le Seigneur Jésus n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Je te parle ce soir. Quand tu es dans la corruption, quand tu es dans les marmailles, quand tu es dans les marmailles, quand tu es dans la corruption, quand tu es dans la fraude, bien-aimé, le Seigneur te dit ce soir de te repentir. Quand son jugement arrive, quand son jugement arrive, le jugement de l'éternel, la cité de nation, bien-aimé, toi, tu es encore le sou de vous. Accroche-toi, Seigneur. Réponds-toi. Par le jugement du Seigneur. La suicide nation. Quand tu es dans la fraude. Quand tu es dans la tricherie. Quand tu es dans la masturbation. Quand tu marches selon le désir de ton cœur. Quand tu marches dans le péché. Il est temps maintenant d'abandonner. 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 Même la colère de Dieu arrive. La colère de Dieu arrive. La colère de Dieu arrive. La colère sur les hommes. La colère de Dieu arrive. La colère sur les hommes. La colère de Dieu arrive. Sur les hommes payés. La colère de Dieu arrive. Sur les hommes. Aujourd'hui, voici. Voici. Cette parole, tu peux guérir ton âme. Cette parole peut guérir ton âme. Cette parole, tu peux te sauver. Voici. Même ne le rejette pas. Ne rejette pas cette parole. Sinon, bientôt, tu vas chercher l'évangile. Chercher après la mort. Après la mort. Oui. Et chercher l'évangile. Mais ce moment, c'est trop tard. C'est trop tard. En ce moment, c'est trop tard. Ça sera trop tard. La colère de Dieu arrive. La colère arrive. La colère de Dieu arrive. Oui. La colère de Dieu arrive. Il y a sa bataille. La colère de Dieu arrive. Le méchant. Aucun. Oh. Aucun. Aucun. Ne peut arrêter. Jamais. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Que la colère de Dieu va descendre. Elle va descendre. Aucune. Personne ne pourra arrêter. Alléluia. Quel que soit ton putain. Quel que soit ta grande. Quel que soit, mieux que bien-aimé. Oui, le Seigneur Jésus va t'abattre. Jésus. Fais pas de mon frère, ma soeur. Lorsque tu n'as pas vu. Toi, homme, Répète et accepte Jésus. Tu vas crier.
pourras pas sortir. Chercher. Tu ne pourras pas sortir. Et tu ne pourras pas. Je te dis avec ta vérité. Je te dis avec ta vérité. Bientôt, tu ne pourras pas sortir. Aujourd'hui, parce que tu t'es dit, tu as la force, tu as la capacité. Je fais ce que tu veux. Mais, laisse-moi te dire. Laisse-moi la main de l'éternel va relâcher sur sa nation. Relâcher. Va relâcher sur sa nation. Va relâcher sur la nation. Relâcher. La promotion que tu fais. La marmage que tu fais. La puissance que tu fais. Oui, les gens que tu achètes que tu fais. Oui. Mais, le Seigneur Jésus. Lui qui est le maître de tous les cas. Qui tient tout le monde. Qui tient l'âme. Lui qui tient l'âme. Qui tient l'âme. Qui tient l'âme. Lui qui tient l'âme. Tout ce qui m'a. C'était ton âme en affaire. Il faut acheter ton âme en affaire. C'est pourquoi, bien aimé, toi tu es encore dessus. Pendant que tu entends cette opportunité, oui, vous la cherchez. Oui, cette opportunité, oui, vous la cherchez. Oui, parce que tu cherches au couchage de la terre. Mais toi, tu as encore cette grâce. Tu encore la oui, tu peux réconcilier avec le Seigneur. Tu as encore cette grâce. Tu as encore la vie. Bénis à Jésus. Parce que tu cherches mort. Tu as encore le chat. Bénis à juger. Bénis à les romans. Bénis à toi, tu écoutes à ce soir. Tu m'entends. Tu m'entends. Réponds-toi. Car les juges sont mauvais. Car les juges sont mauvais. Trompette va sonner bientôt, venez. Et lorsque la trompette sonnera, oh, on ne peut résister. Oh, la colère de Dieu. La colère de Dieu. Réponds-toi. Ta vie à Jésus. Réponds-toi et donne ta vie à Jésus. Ta vie à Jésus. Donne 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 ta vie à Jésus. Là, Esaïe 1. Esaïe 1, c'est Dieu. Toi, tu rejettes le Seigneur. Toi, depuis lors. Tu as pendu la parole de Dieu. Et tu refuses d'accepter le Seigneur. Et tu refuses de donner ta vie à Jésus. Et de haut, tu refuses, lui, de faire la volonté de Dieu. Et tu refuses de marcher dans la piété. Et ne plus ce que la parole de Dieu de Dieu. Écoute, bienvenue. Toi, tu dis non. Moi, je vais mourir comme je suis. Moi, je vais mourir car je vais mourir catholique. Je vais mourir bouddhiste. Je vais mourir musulman. Je vais mourir ceci. Je vais mourir cela. Mais laisse-moi te dire. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. C'est pourquoi tu prononces cette parole. C'est pas celui t'attend. Après la mort, dans le silo chez lui-même, tu allais courir sur tes pieds et accepter lui. Lui qui a la capacité de jeter ton âme en enfer. Tu allais courir et l'accepter. Esaïe 1. Esaïe 1. Verset 2. Verset 2. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Si eux, le Seigneur Jésus parle à aux cieux. Si eux, il est cieux. Écoutez. Écoutez. Terre. Mais parce que tu es sur la terre. Le Seigneur t'a donné cette lettre. Terre. Le Seigneur t'a donné cette lettre ce soir. Prête l'oreille. Le Seigneur t'a donné cette lettre ce soir. Terre. Prête l'oreille. Le Jésus-Christ t'a donné cette lettre ce soir. Alléluia. Alléluia. Il est cieux. Écoutez. Écoutez. Terre. Il est terre. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Quand l'Éternel parle. Quand Jésus-Christ parle. Alléluia. Quand Jésus-Christ parle. Cieux. Vicieux. Écoutez. Écoutez. Père. Prête l'oreille. L'oreille. Quand Jésus-Christ parle. Qui parle, qui parle. Jésus-Christ parle. Qui parle. Jésus-Christ parle. Qui parle à la nation. Jésus-Christ parle. Parle à la nation. Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle. Sous des vies. Jésus-Christ parle. Sous des vies à toi. Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle. Ce soir. Jésus-Christ parle. Tout est dit à toi. Jésus-Christ te parle. Pas inspirer. Jésus-Christ te parle. Tout est dit à toi. Jésus-Christ te parle. Flasche. Jésus-Christ te parle. À toi. Jésus-Christ te parle. Jésus-Christ te parle. Cela. Jésus t'appelle ce soir. Je te parle. Alors écoute. Écoute. Alors. J'ai nourri. Oh. J'ai nourri et élevé des enfants. Quelqu'un n'a pas compris. Le Seigneur dit dans sa parole. J'ai nourri. Écoutez. J'ai nourri. Il dit quoi? J'ai nourri. Élevé des enfants. Le Seigneur dit. Il a nourri. Et élevé les enfants comme ça. Alléluia. Le Seigneur a pris soin de toi. Le Seigneur veut sur toi. Le Seigneur t'a gardé. Il t'a gardé. Parce que tu étais dans le fond de ta mère. Ta mère. Le Seigneur pousse de toi. Il a poussé de toi. Il va te laisser. Il t'a poussé. Les marabouts. Les bouddhistes. Les chaussés. Les okankas. Les marabouts. Les Les chassiers de Dieu t'ont protégé contre toutes les personnes, contre toutes les flèches. Aujourd'hui tu es prêt. Aujourd'hui tu es encore le souffle. Le Seigneur te parle. Le Seigneur te t'adresse à nous. Alors prête l'oreille. Continue, continue, continue. Je vais répondre cette parole. Sion, écoutez, écoutez. Père, prête l'oreille. Prête l'oreille. Car Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle. J'ai nourri. Il a nourri. Il a élevé des enfants. Il a élevé les enfants.
affaires comme vous. Mais ils se sont révoltés contre moi. Ils ont fait quoi ces affaires pour moi? Ils se sont révoltés contre moi. Frère, c'est de toi la blague. C'est de toi qu'il s'agit. Toi, c'est de toi le Seigneur t'adresse. Le Seigneur te parle. C'est de toi le Seigneur parle ce soir. C'est de toi le Seigneur parle. Et là, si tu appelles ce message, oui. Ne dors pas. Comprenez, oui, ne ferme pas tes yeux. Réveille-toi. Le Seigneur t'adresse une lettre. Le Seigneur t'adresse une lettre. Jésus t'appelle. Dieu te dit, il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi. Oh, joli. Il te garde. Oh, joli. Oui, tu fais ce que tu veux. Oh, joli. Non, ce Dieu-là, il n'a pas mon chef. Je ne le connais pas. Non, ce Dieu-là, c'est du maçon. Je ne le connais pas. C'est un prophète, je ne le connais pas. Continue, continue. Continue à l'être. Continue à l'être. Parce que quelqu'un n'a pas encore compris. Quelqu'un n'a pas encore compris. Sieur, il est sieur. Écoutez. Oh, bien-aimé, le Seigneur Jésus te parle. Le Seigneur te parle. Jésus-Christ te parle. Terre. Il dit terre. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Car. Jésus parle. Car ton Dieu, Jésus. Ton Dieu te parle. Ton Dieu te parle. Je nourris et élevé des enfants. Oh. Je nourris et élevé des enfants. Je nourris et élevé des enfants. Oh. Regarde. Regarde les musiques pour te bouffer. Oh. Le Seigneur pousse de toi. Le Seigneur t'a gardé. Les sorciers pour te bouffer. Oh. Le Seigneur t'a gardé. Il t'a protégé des accidents. Les marabouts pour t'enlever. Oh oui. Il a poussé de toi. Il t'a protégé. Les sorciers de ton village. Les sorciers qui sont en train de te le Seigneur pousse de toi. Jésus t'a protégé. Le Seigneur a gardé. Le Seigneur. Gardez lorsque tu étais dans le vent de toi. Oh, il t'a gardé. Il a poussé de toi. Pendant toute cette journée. Il a poussé de toi. Il t'a protégé. Et même aujourd'hui même. Même aujourd'hui. La grâce encore sur toi. Oh, dans le véhicule. Même aujourd'hui même, sur le vent. Regarde ce que l'ennemi t'a lâché. Regarde. L'ennemi a creusé les fosses. Il a creusé le trou. L'ennemi t'a tendu les pièges. Il t'a tendu les pièges. Le Seigneur t'a fait. Le Seigneur t'a protégé. Mais lui, tu as l'autorité sur toi. Lui, tu domines les nations. Tu domines toute domination. Lui, tu domines toute domination. Alléluia. Lui, tu as la capacité. Tu as la capacité. Lui, tu oui, tu as la capacité. Tu as la capacité. Monsieur, viens. Il t'a protégé. Il t'a protégé. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi. Il a veillé sur toi. Il a gardé ta vie. Tu ne restes plus. Et aujourd'hui. L'air naturel. Oh. Aujourd'hui, tu as encore le sud de vie. Tu ne perds pas aujourd'hui. Tu as encore le sud de vie. Oh, tu ne perds pas aujourd'hui. C'est grâce à bien-aimé. Jésus t'a fait grâce. Tu as encore cette grâce. Parmi les plus grands. Reste plus grand. Oh, aujourd'hui. Tu as encore cette grâce. Tu as fait grâce. Reste plus grand encore. Oui. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui. Ah, il dit quoi ses enfants? Tu as grandi. Il dit quoi ses enfants? Fais quoi? Mais ils se sont révoltés contre moi. Oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Il a dit. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Jésus. Moi, tu n'as pas encore compris. Le Seigneur dit, lorsque tu étais bébé, tu étais bébé. Le vent de ton père. Le vent de ta mère. Là, soin de toi. Là, les sorciers qui te guettaient. Les sorciers. Ils doivent te bouffer. Ils doivent te tuer. Regarde. Les mystiques. Les mystiques. Les francs marchands. Oh. Ils doivent faire avorter ta mère. Oui. Mais le Seigneur avait sa mystique. Le Seigneur a gardé ta mère. Il t'a gardé. Il t'a protégé. Aujourd'hui, aujourd'hui, les enfants comme nous sommes, les enfants de Dieu, les enfants comme nous sommes, les enfants de la Dieu, société. Oh, la société, nous le recevons, nous le réunions, la société, nous le connaissons, la société, nous le voilà, la société, voilà, la société, oh Jésus, oh, bien-aimé, parce que tu as encore le sud de Dieu. C'est vrai. Tu attends ce message. Tu attends ce message. Frère, accepte le Seigneur Jésus. Accepte Jésus. Parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Frère, accepte le Seigneur Jésus. Les temps parce que les temps sont finis. Yeah. Frère, ce que tu vois, si tu ne vas plus le voir. Tu ne vas plus le voir. Ton frère au quartier, ton frère, tu ne vas plus le voir. Bientôt, lorsque la colère de Dieu va descendre, la colère de Dieu, lorsque la colère de Dieu va descendre, c'est seul que tu as fait la volonté de Dieu. Mets-toi à l'abri. C'est seul tu as marché selon la parole de Dieu. Mets-toi à l'abri. Mais seul tu as marché selon les saintes écritures. Mais seul tu as fait la volonté de Dieu. Tu as marché selon la parole. Mais seul tu as accroché à Jésus-Christ. Attaché à Jésus. Alléluia. C'est cela qui sera. Alléluia. Mais frère. 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 Tu n'attends pas pour accepter le Seigneur. Tu n'attends pas pour accepter. Tu n'attends pas pour accepter le Seigneur. Tu attends pour t'accrocher. Le sud de vie. Le sud de vie. Bientôt, ça va te quitter. Ça peut péché. Le sud de vie. Mais mes frères. Ce sud de vie. Le sud de vie. Puis, le Seigneur t'a enlevé. Le Seigneur peut retirer cela. Le Seigneur Jésus t'a enlevé ce sud de vie. Il peut le retirer. Bien-aimé. Si le Seigneur l'a mis à ton sud.
sous de vie, Jésus. Il retire ce sous de vie, Jésus. Il lève. Que diras-tu devant le Seigneur, Jésus? Que diras-tu devant le Seigneur? Regret. Que diras-tu devant le Seigneur? Regret. Lorsque ton âme va te quitter, tu vas courir dans tous les sens. Lorsque ton âme va te quitter, tu vas courir dans tous les sens et chercher l'évangile. Lorsque ton âme va te quitter, tu vas courir dans tous les sens et chercher la voie de Dieu. Il est maintenant à ce moment-là. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. À ce moment-là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Quand le Seigneur, le Seigneur t'aime, il t'a pris. Prends ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Marche la parole. Marche la parole de Dieu. Marche la parole de Dieu. Laisse-moi te dire. Les temps sont finis. 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 Les jours sont mauvais. Les temps sont finis. Accroche-toi à Jésus. Les temps sont finis. Ne mets pas sans Jésus. Les temps sont finis. Ne mets pas sans Jésus. Les temps sont finis. Accroche-toi à Jésus. Les temps sont finis. Accroche-toi à Jésus. Les temps sont finis. Car il est la vie. Les temps sont finis. Accroche-toi à Jésus. Aujourd'hui, tu vois ce jour-là. Tu penses que c'est de la misère. Tu vois ce jour-là comme un film. Mais bientôt, bientôt. Mais bientôt, bientôt. 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 Bientôt, 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 bientôt. Tu vas crier comme un loup. Tu vas crier de douleur. Tu vas crier de toute ta force. Tu vas crier de douleur. Après la mort. Crier après la mort. Après la mort. Tu vas crier. L'obscurité totale. La souffrance totale. Tu vas crier. Tu vas crier. Tu vas crier. Tu vas appeler. Tu vas crier. Tu vas appeler. Tu vas crier. Non que tu ne fasses rien. Tu vas appeler. Tu vas crier. Non que tu arrives rien. Tu vas appeler. Tu vas crier. Personne que tu vas chasser. Tu vas appeler. Celui que tu vises, il va crier. Tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. Tu vas crier. Tu vas l'appeler. Au nom de Jésus. À ce moment-là, ce sera le nom de Jésus. Ne pourrons rien faire pour toi. À ce moment-là, le nom de Jésus ne prend rien. C'est maintenant. À ce moment-là, tu vas crier, tu vas crier ta force. Tu vas regretter, tu vas lamenter, tu vas traîner. Mais à ce moment-là, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, cette grâce a fermé sur toi. 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 Seul, il est temps maintenant de marcher selon la parole de Dieu. Il est temps maintenant de t'habiller correctement. Bien sûr. Il est temps maintenant de vous habiller comme des femmes. Oh, il est temps maintenant de vous habiller comme des femmes. Alléluia. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Et Jésus que nous prêchons. Jésus. Et Jésus que nous parlons. Oui. Et laisse-moi te dire. C'est Jésus-là. C'est Jésus-là. Tu vas crier à lui. Tu vas crier. Oui. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus te demande. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle. Mais un jour, c'est toi qui vas courir. Tu vas courir. Se dit marié, vit dans la concubinage. Plusieurs. Nous avons emprunté la fille. Plusieurs. Prêté la fille. Sans payer la dot. Sans payer la dot. Frère, c'est ma femme. Si c'est ce cas. Si c'est ton cas, je t'avertis. Je t'avertis. Je t'avertis. Je t'avertis. Tant que tu as volé. Que tu as mis chez toi. Tant que tu as volé. Que tu as mis chez toi. Tant que tu as volé. Que tu as mis chez toi. Tu vas payer sa dot. Tu n'as pas payé sa dot. Va prendre sa dot. Les hommes voleurs. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Les hommes voleurs. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Il est temps. Il est temps maintenant. Il est temps. Il est temps maintenant. Il est temps. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Il est temps. Il est temps maintenant. Il est temps. De sortir de l'impunité. Il est temps maintenant. De sortir de l'impunité. C'est du copinage. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Sors de l'impudicité. Sors de là. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur te bien appelé. Quand tu marres. Ce Dieu m'est venu. Oh, il est comme un amour. Ce Dieu m'est venu. Il est quand tu marres. Un jour, tu vas crier à nous. Tu vas l'appeler. Un jour, tu vas crier à nous. Tu vas l'appeler. Un jour, tu vas crier à nous. Tu vas l'appeler. Un jour, tu vas crier à nous. Tu vas l'appeler. Un jour, tu vas crier à nous. Tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. C'est trop tard. Ça sera trop cher. Le ciel sera fermé sur toi. Ça sera fermé. À ce moment, c'est le démon qui te retourne. À ce moment-là, c'est le maître doux où tu as servi qui te réclame. À ce moment-là, Satan que tu as servi sur la terre, c'est lui qui te réclame. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu as encore le sud de vous, que tu es vivant, ne te dis pas que tu espères. Plusieurs à la fin.
Plusieurs avaient la force contre toi. Plusieurs avaient la force contre la santé. Mais ils sont restés dans le monde. Ils sont restés dans la couche. Ils sont restés dans la ils sont restés sur le lit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Toi qui nous entends ce soir. Toi qui nous entends. Toi qui nous écoutes ce soir. Toi qui entends ces paroles. Je connais une chose. Écoute. Je connais une chose. Une seule chose. Je connais une chose. Une seule chose. Je Dieu nous présente. Il est fidèle. Il est fidèle. Parce que tu t'attaches à lui. Quand tu t'attaches à Jésus, il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas. Parce que tu t'accroches à lui. Quand tu t'accroches à Jésus. Parce que il y a plusieurs dieux. Plusieurs. Lorsque tu cours vers eux, bientôt ils vont te lâcher. Ils vont te lâcher. Aujourd'hui tu passes ton gruyère fort. Aujourd'hui tu passes ta fétiche fort. Aujourd'hui tu passes ton marbre fort. Parce que tes fétiches sont forts. Pas de protection. Parce que oui, tes gris-gris, tes blagues que tu as mis, mes doigts sont forts. Vanité. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Vanité. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Tu marches selon les fétiches. Tu marches selon les choses. Toi, tu marches selon les gris-gris. Oh, les gris-gris. Toi, tu marches selon les gris-gris. Toi, tu as mis Canary sous ton lit. Canary sous ton lit. Tu marches selon. Oui, selon la domination du Seigneur. Toi, tu marches selon les canaries. Je commande le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que cela prenne feu. Que cela prenne feu. Que tu sois cela pour le palace. Que cela pour le palace. Que cela pour le palace. Que cela se lâche. 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 Je commande le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Que tu marches sur les fétiches. Sois libéré. Que tu marches sur les fétiches. Sois délivré. Que tu marches sur les canaries. Sois délivré. Laisse-le. Je commande le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ça prend feu. Toi tu allais faire médicament. Toi qui allais faire médicament. À l'instant même. Toi tu allais faire du médicament. Oh. Toi tu marches selon les médicaments. Selon les sacrifices. Toi tu marches selon les sacrifices d'animaux. Toi tu marches selon les sacrifices de protection. Oh Jésus. Bien-aimé, la reine de Dieu. La reine de Dieu. Sors de là. Sors. Bien-aimé, sors de là. Sors. Parce que c'est où tu as mis ta confiance ne peut pas te sauver. Jamais. C'est bébé magique que tu empêches à ne pas sauver ton âme. Jamais. Plusieurs machins, selon les produits machins. Ils pensent qu'ils ont l'argent. Ils pensent qu'ils ont l'argent. Mais écoute-moi très bien. Tu contentes ton âme. Écoute-moi très bien. Écoute. Lorsque tes frères cherchent de l'argent. Alléluia. Toi, tu vas brûler. Toi, tu vas faire le brûlage. Lorsque tes frères cherchent de l'argent. Et quand tes frères cherchent de l'argent. Toi, tu vas aller m'amailler. Toi, tu vas. Toi, tu vas aller chercher Bédou Mazi. Chercher Bédou Mazi. Toi, tu vas aller chercher Ba qui tue l'argent. Oui. Toi, tu vas aller chercher Canary qui te donne l'argent. De l'envoi avec les messieurs. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Maintenant. À l'instant même. À l'instant. C'est un avertissement pour toi. C'est un avertissement pour toi, bien-aimé. C'est un avertissement. Avertissement pour toi, bien-aimé. Alléluia. Avertissement pour toi, bien-aimé. Alléluia. Avertissement pour toi, bien-aimé. Alléluia. Parce que, bien-aimé. Parce que. Bien-aimé. Parce que. Parce que la main de Dieu sera relâchée sur ta vie. Ta vie. Oui, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pourquoi, bien-aimé. C'est pourquoi. Jette tes fétiches. Jette tes fétiches. Abandonne les fétiches. Jette tes amis. Pour ne pas te sauver. Oui, et accroche-toi, Seigneur. Accroche-toi, Jésus. Et accroche-toi, Seigneur. Accroche-toi, Jésus. Accroche-toi, Seigneur. Accroche-toi, Jésus. Accroche-toi, Seigneur. Accroche-toi, Jésus. Accroche-toi, Seigneur. Accroche-toi, Seigneur. Alléluia. Accroche-toi, Seigneur. Quand tu suis sur mon front, tu fais les sacrifices. Fais avancer ton commerce. Je ne peux rien faire pour toi. Repends-toi. Alléluia. Abandonne toutes ces choses. Alléluia. Amen. 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 Si tu es vivant, il faut chercher Jésus-Christ. Appelle-moi, ce sera
Que le Seigneur Jésus bénisse, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire au ressuscité. Gloire à l'ancien des temps. Gloire à l'ancien des jours. Bien-aimés, nous sommes ici pour t'interpeller et non pour te condamner. Non pour condamner qui que ce soit. Alléluia. Nous allons lire cette parole. Le livre d'Esaïe. Esaïe, verset premier. Alléluia. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec vous. Lis la parole de Dieu. Crie à plein gosier. À plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix. Élève ta voix. Comme une trompette. Comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Et annonce à mon peuple. Ses iniquités. Ses iniquités. À la maison de Jacob. À la maison de Jacob. Ses péchés. Ses péchés. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. La désobéissance, c'est le péché. La désobéissance, c'est le péché. La désobéissance à Jésus, c'est le péché. La désobéissance à Jésus, c'est le péché. Et le Seigneur nous emmène ce soir. Et le Seigneur nous envoie vers toi ce soir. Pour t'interpeller. Pour t'interpeller. Afin que tu abandonnes le péché. Afin que tu abandonnes le péché. Afin que tu abandonnes cette manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu. Afin que tu abandonnes cette manière qui ne plaît pas au Seigneur Jésus. Oh. Oui, bien-aimé, parce que, la vie que tu détiens en ce jour, le signe de vie que tu détiens en ce la jour, la santé que tu as en ce jour, la santé que tu as en ce jour, le signe de vie que tu as en ce jour, le signe de vie que tu as en ce jour, ne t'appartient pas, ne t'appartient pas, ne t'appartient pas, ne t'appartient pas, plus vieux comme toi, plus vieux comme toi, plus riche que toi, oui, bien-aimé, plus beau que toi, plus beau que toi, plus grand que toi, plus grand que toi, ils sont couchés, incapable de se lever, incapable de bouger, incapable de bouger. Il ne recherche qu'une minute afin de venir pour rendre gloire à Jésus. Il cherche le temps de venir sur cette terre afin de louer, afin de parler de Jésus. Mais c'est trop tard. Mais le temps est fini pour eux. C'est trop tard. La parole de Dieu pouvait déclarer qu'après la mort, vient le jugement. J'ai le jugement. Bien-aimé, tu n'es pas encore mort. Bien-aimé, tu es encore vivant. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais du souffle de vie que le Seigneur t'a donné? Le souffle de vie que Dieu t'a donné. Le souffle de vie qui est précieux. Le souffle de vie que Dieu t'a donné. On pouvait être sur la terre. Que le vrai bonheur ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Bien-aimé, n'attends pas de mourir pour regretter la vie que tu as eu à mener. N'attends pas de mourir, oh bien-aimé. Pendant que tu es vivant, pendant que tu es le souffle de vie, pendant que tu as le souffle de vie.
Il faut mettre ce souffle de vie là à la gloire de Jésus. Il faut mettre ce souffle de vie à la gloire de Dieu. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Il faut que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que la convoitise de la chair. Parce que la convoitise de la chair. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et toutes ces choses. Et toutes ces choses. Après la mort. Après la mort. C'est fini. C'est fini. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu as la santé. Tu as la santé. Profite de l'occasion. Profite de l'occasion. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pour donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Plusieurs sont dans les hôpitaux. Oh! Plusieurs sont couchés. Plusieurs sont couchés. Plusieurs sont incapables de bouger. Plusieurs sont incapables de bouger. Certains même n'arrivent pas à respirer tout seuls. Oh! Oh, bien-aimés! Ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans l'angoisse. Ils sont dans l'agonie. Mais toi, oh bien, le Seigneur te fait grâce. 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 Le souffle de vie. Il te donne le souffle de vie. Que tu as. Oh, est-ce que tu l'as payé? Oh, est-ce que tu l'as payé? Tu n'as rien donné. Est-ce que tu as payé? Tu n'as rien donné. Afin de respirer. Oh, depuis ce matin. Tu es sorti de la maison. Il te donne cadeau. Tu as marché. Tu as marché. Tu as pété le véhicule. Il t'a protégé. Il t'a protégé. Il t'a gardé. Penses-tu que oh, c'est de ta propre force? Oh, si tu es vu. Oh, penses-tu que oh, parce que tu es trop beau. Parce que tu es trop joli. Penses-tu que cette cause-là qui a fait que tu es vivant. Oh, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime bien aimé. Jésus-Christ t'aime. Il t'a aimé. Jésus-Christ t'aime. Il t'a aimé. Jésus-Christ t'aime. Il t'a aimé. C'est pourquoi il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Jésus t'appelle ce soir. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu es vivant. Pendant que tu as la santé. Ne t'attends pas de tomber malade. N'attends pas la mort. N'attends pas la mort. N'attends pas la maladie. Cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Le chemin. Le chemin. Bien-aimé. Il dit il est le chemin. Jésus dit qu'il est le chemin. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Il te dit quoi? Jésus dit je suis le chemin. Jésus dit qu'il est le chemin. Quand il dit je suis le chemin, il dit qu'il est le chemin. Tu dois savoir qu'il y a chemin. Tu dois savoir bien aimé qu'il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Mais tous ces chemins mènent où? Mais tous ces chemins mènent où? Le Seigneur continue pour dire. Le Seigneur continue, il dit. Je suis la vérité. Il dit qu'il est la vérité. Parce que plusieurs chemins. Parce que plusieurs chemins. Ne sont pas des chemins de vérité. Ne sont pas des chemins de vérité. Plusieurs chemins. Plusieurs chemins. Ne sont pas des chemins de vérité. Ne sont pas des chemins de vérité. C'est des chemins de mensonge. Oh, c'est des chemins de mensonge. Et le mensonge conduit à la mort. Le mensonge conduit à la mort. Et Jésus lui dit. Et Jésus te dit. Je suis le chemin. Et le chemin. La vérité. Et la vérité. Et la vie. Et la vie. Il est le seul chemin qui conduit à la vie. Il est le seul chemin qui conduit à la vie. Il est le seul chemin qui conduit à la vie. Il est le seul chemin qui conduit à la vie. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Sur quel chemin te trouves-tu en ce moment? Sur quel chemin tu te trouves en ce soir? Sur le chemin des fétiches. Sur le chemin des fétiches. Sur le chemin des gris-gris. Sur le chemin des gris-gris. Ce chemin te mènera à la mort. Ce chemin te mènera où? Ce chemin te mènera où, mon frère? Ce chemin te mènera où, bien-aimé? Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à la vie. Et si tu n'as pas ce chemin-là? Et si tu n'as pas ce chemin-là? Tous les autres chemins. Tous les autres chemins. Te mènera à la mort. Te mènera à la mort. Le chemin de l'impuricité. Le chemin de l'impuricité. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. La jeune fille avec qui tu couches. Oh, la jeune fille avec qui tu couches. Les nombreuses jeunes filles avec qui tu couches. Oh, bien-aimé. C'est un chemin qui va te mener à la mort. C'est le chemin de la mort. Alléluia. Amen. La jeune fille qui est chez toi. La jeune fille qui est chez toi. Quand tu n'as pas payé la dette. Que tu n'as pas payé la dette. C'est un chemin qui te mènera à la mort. Tu n'as pas honoré la jeune fille. Tu n'as pas honoré sa famille. Tu n'as pas honoré sa famille. Oui, toi, maman. Oui, toi, maman. Dans le foyer où tu es. Dans le foyer où tu es. Ils n'ont pas payé ta dette, c'est pas ton foyer. Ils n'ont pas payé ta dette. Ils n'ont pas honoré tes parents. Ils n'ont pas honoré ta parente, ils n'ont pas honoré ta mère. C'est un
attention mec qui mène à la mort. Attention mec qui mène à la mort. Oui, oui, je te le dis. C'est la vérité. Si tu ne le savais pas, je te le dis. C'est la vérité. Le Seigneur Jésus, le Seigneur lui-même, lui-même a payé la dot pour l'Église. Il a payé la dot pour l'Église. Il a payé de son sang. Il a payé de son sang. Comme Adam, comme Adam a payé de son sang. A payé de son sang. Parce que son côté a été ouvert. Parce que son côté a été ouvert. Afin de faire sortir la côte. Afin de faire sortir sa côte. Pour faire sa femme. Pour faire sa femme. Bien-aimé, il faut payer le prix. Bien-aimé, il faut payer le prix. Dans le foyer où tu es. Dans le foyer où tu es. L'homme n'a pas payé le prix. L'homme n'a pas payé le prix. Il n'a pas donné la dot. Il n'a pas donné la dot. Il ne t'a pas honoré. Il ne t'a pas honoré. C'est un voleur. C'est un voleur. Le concubinage est un péché. Un péché grave. Alors commence à mettre de l'ordre dans ta vie. Si l'homme de oh, si le grand prophète des nations, si le grand prophète de si le bishop ne t'a pas dit cela, si le bishop ne t'a pas dit cela, alors moi je viens te dire, oh mon frère, ma soeur, le concubinage est puni de mort. Oh, c'est le chemin de la mort. Commence à ranger ta vie. Le concubinage fait partie de l'impuricité. C'est l'impuricité. Parce que mieux t'envoie des voies, les gars. C'est la prostitution. C'est la prostitution, les gars. Répands-toi de cela. Parce que tu es dans une maison avec un homme. Oh. Et toi, tu te moques des jeunes filles qui se prostituent. Oh. En réalité, vous faites le même travail. Vous êtes même chose. En réalité, c'est la même chose. Vous êtes même chose. Tu n'as pas encore payé ta dot. Tu n'as pas payé la dot. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Posez les dieux, tu n'es pas marié. Deuxième volet. Parce que le raisonnement humain n'a rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu ne changera jamais. Jamais, jamais. C'est jamais. Cette parole-là qui jugera le monde. Alléluia. Amen. Cette parole-là reste la même. Reste la même. Parce que le Seigneur lui-même, il est le même hier. Aujourd'hui, il est le même aujourd'hui. Éternellement, il est le même. Alléluia. Il ne change. Il ne change jamais. Ce n'est pas un Dieu. Alléluia. De mode. Alléluia. Ce n'est pas un Dieu. De modèle. De modèle. Ce n'est pas un Dieu. De saison. De saison. C'est un Dieu unique. Il n'est pas un Dieu de coutume. Non, c'est pas un Dieu de coutume. Il n'est pas un Dieu de tradition. Alléluia. C'est un Dieu qui ne change pas. Il 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 ne change pas. Son nom c'est Jésus. 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 Il a mis accroché à Jésus. Accroché à Jésus. Ah, il est le chemin qui donne la vie. 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 La cupidité. Oh, la cupidité. Le chemin qui mène à la mort. Le chemin qui mène à la mort. La parole de Dieu pouvait déclarer. Donc, je te dis, l'amour de l'argent, l'amour de l'argent, qu'on appelle la cupidité, on appelle la cupidité, c'est de l'idolâtrie, c'est de l'idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu aimes trop l'argent, quand tu aimes trop l'argent, l'argent devient un dieu pour toi. Ton cœur est attaché à l'argent. Ton cœur est trop attaché à l'argent. Ton cœur est attaché à l'argent. De 6h à 23h, du lundi au lundi, oh, du premier au quartier. Du coup. Derrière l'argent. Derrière l'argent. Oh, bien-aimé. L'argent devient ton idole. L'argent devient un dieu pour toi. Oh. L'argent devient un dieu pour toi. L'argent devient ton dieu. Bien-aimé, l'argent ne t'a pas donné le souffle de vie. Oh, jamais. L'argent n'a pas donné le prix à la croix pour toi. C'est des choses éphémères. C'est des choses que tu as trouvées sur la terre. Oh. Et que tu vas laisser sur la terre. C'est vivant. Prends le temps de connaître le vrai. Cherche à connaître le véritable Dieu. Cherche à savoir. Qui te donne la santé? Oui, bien aimé. Et tu prends cette santé-là pour aller chercher l'argent. C'est important. C'est très important. C'est important. Parce que quand le temps va arriver, et tu vas retirer le souffle de vie, quand tu vas te retrouver à l'hôpital, comment est-ce que tu vas aller chercher l'argent?
C'est là que tu verras que la réalité. La réalité, l'argent ne peut rien pour toi. Bien-aimé, il y a plusieurs millionnaires, milliardaires, touchés dans les hôpitaux, l'argent ne peut rien pour eux, ne peut rien pour eux. Tu pourras acheter des médicaments. Mais la guérison. La restauration. Bien-aimé. Il y a une seule personne. Qui t'a façonné. Et c'est cette personne-là. Il peut te réparer. Alléluia. Amen. Alors il n'y a qu'un seul Dieu qui peut te guérir de la maladie. Ce n'est pas l'argent. Souris derrière l'argent. Bien-aimé. Le Seigneur va enlever le souffle de vie. Lorsque le Seigneur t'enlève le souffle de vie, et tu seras devant son trône. Et il va te demander. Tout le temps. Que je t'ai donné. Sur cette terre. Afin de chercher ma face. Afin de faire mon œuvre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non, j'ai passé mon temps. À chercher l'argent. Bien-aimé, ce jour-là, l'argent ne te sauvera pas. Que tu cherches tant, que tu poursuis tant. Bien-aimé, pas plus loin de toi. Aïe. Tu vas te poser une petite question. Pose la question. Jamais les biens accumulés ne pourront pas sauver ton âme. À cause de l'argent, construis les immeubles. À cause de l'argent, tu vas ton âme. Jésus, tu sacrifies tes enfants. À cause de l'argent, tu tues ton prochain. Tu fais couler le sang. Innocent. Comme le sang d'Abel. Va commencer à crier. Tu vas payer. Il va payer cher. Comme la parole de Dieu pouvait déclarer. Nous serons jugés de toutes les paroles. Et de tous les actes que nous avons posés sur la terre. Bien-aimé, la cupidité va te conduire dans beaucoup de tourments. L'amour de l'argent. Terrible. Va te conduire dans des situations terribles. Moi, je me prostitue. C'est pour nourrir ma famille. Dieu même veut pas comprendre. Ma maman est malade. Si je ne prostitue pas. On ne pourra pas la soigner. Le petit fait la raison petit. Si je ne me prostitue pas, il ne pourra pas aller à l'école. Si je ne fais pas bruitage. Si je ne fais pas petit magique. Si je ne fais pas donner magique, il ne pourra pas nourrir ma famille.
Bien-aimé, repends-toi de ces choses, repends-toi de ces choses, repends-toi de ces choses, repends-toi de ces choses, parce que le Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus, il est le maître de toute chair, il est le maître de toute chair, de toute âme, de toute âme, et de tout esprit, et de tout esprit. En réalité, Jésus qui prend soin de chacun de nous, Jésus qui prend soin de chacun de nous. Tu peux bien travailler, tu peux bien travailler, pour avoir de l'argent, pour avoir de l'argent. En réalité, Jésus qui prend soin de toi, et Jésus qui prend soin de toi. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton argent. Parce que ton argent ne peut rien pour toi. Parce que ton argent ne peut rien pour toi. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Qui prend soin de nos familles. Qui prend soin de nos familles. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Qui prend soin de nos maisons. Qui prend soin de nos maisons. Alors, regarde, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils ont fait 40 ans là-bas, 40 ans dans le désert, 40 ans dans le désert, 40 ans, il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas de nourriture, pas de nourriture. Il n'y avait pas de maison, pas de maison. Mais le Seigneur Jésus, Jésus-Christ, les a nourris. Il les a nourris pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Dans le désert. Mais pas 40 jours. 40 ans. 40 ans. Dans le désert. Dans le désert. Il n'y avait pas de nourriture, pas de nourriture. Mais il fait descendre. Il fait descendre. La manne. Oh, la manne du ciel. La manne du ciel. Oh, Jésus. Pour les nourrir. Pour les nourrir les enfants. Oui, bien-aimé. Il a fait pour les enfants d'Israël. Il a fait pour les enfants d'Israël. Il peut être pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Car il est le même. Il est le même. Hier. Yeah. Yeah. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Éternellement. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Il ne change pas. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. Il ne se périme pas. Il ne se périme pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours efficace. Il est toujours efficace. Toujours efficace. Il est toujours efficace. Malgré les siècles. Malgré les siècles, et des siècles, et des siècles, et des siècles, qui passeront, qui passeront. Jésus reste Jésus. Jésus reste Jésus. Jésus reste Jésus. Jésus reste Jésus. Ce n'est pas le Jésus de la mode. Ce n'est pas le Jésus de la mode. Ce n'est pas le Jésus des saisons. Ce n'est pas le Jésus de la croix. Ce n'est pas le Jésus de la croix. Ce n'est pas le Jésus de la croix. Attention. Hey! Jésus reste Jésus. Jésus reste Jésus. Il était avant, il était avant Marie. Il était avant Marie. Et il sera après Marie. Et il sera après Marie. Jésus-Christ reste Jésus. Jésus-Christ reste Jésus. C'est celui-là qui a donné sa vie. C'est celui-là qui a donné sa vie. Afin que tu puisses vivre. Afin que tu puisses vivre. Afin que je puisse vivre. Afin que je puisse vivre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Bien-aimé, accroche-toi à Jésus. Bien-aimé, lis la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Cette parole qui a créé toutes choses. Le monde. Cette parole qui t'a créé. Cette parole qui est la vie. Alléluia. Écoute cette parole. Nous lis la parole de Dieu. Pour avoir la vie. 1 Corinthiens à partir du verset 13. 1 Corinthiens à partir du verset 13. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes, les langues des hommes et des anges, et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je n'ai pas l'amour, je suis un erré qui résonne une cymbale qui retentit. Alléluia. Amen. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères Et toute la connaissance. Quand j'aurai même. Toute la foi. Jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour. Je ne suis rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. L'amour. Bien-aimé, l'amour. La plus grande preuve d'amour a été manifestée à la croix par Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu nous dit. Dieu, a tant aimé le monde. Jean 3:16. Dieu a tant aimé.
aimé le monde. A tant aimé le monde. Bien aimé, tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait. C'est par amour. C'est par amour. C'est le sentiment suprême. Oh, le sentiment. C'est la plus grande des choses. Oh. Bien aimé. Oui, bien aimé. Si nous sommes là. Si nous sommes là. À ce soir. À ce soir. C'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. C'est par amour. L'amour. L'amour. Ne consiste pas seulement à donner l'argent, à donner l'argent à quelqu'un. Bien aimé. Oui, bien aimé. La parole de Dieu pouvait le déclarer. La parole de Dieu dit, même si je donne tous mes biens aux pauvres, même si je donne tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'amour, c'est en vain. C'est en vain. C'est là que je dois me poser la question de savoir. À ce moment-là même, je n'ai pas tout cela qui va te donner l'argent qui t'aime. Regarde, ton père, qui t'a mis au monde, qui t'a mis au monde. Regarde, regarde. Est-ce que ton père est prêt à donner sa vie pour toi? Attention. Regarde. Toi qui es fils, toi qui es fils, tu t'en vas voler, tu t'en vas voler. On t'attrape, on t'attrape. On va te mettre en prison, on va t'emprisonner. Ton père qui te donne de l'argent, ton père qui t'aime, qui te donne l'argent qui t'aime. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va accepter d'aller en prison? D'aller en prison pour te remplacer à ta place? Jamais. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va accepter pour le chicote? Pour le chicote à cause de toi? À ta place? À cause de toi? À cause de toi? Jamais. Jamais. Cela te dit, cela pour te dire que ton père ne t'aimera jamais. Ne t'aimera jamais. Comme Jésus t'a aimé. Alléluia. Amen. Il a manifesté cet amour. Il a manifesté cet amour. Jusqu'à se faire frapper. Oh! Se faire chicoter. Il se fait chicoter. Bien aimé. Oh! On a arraché sa part. Arraché sa part. Oh! C'est le Dieu, c'est le. Regarde. Regarde. Dieu de barbe. Si on t'arrache ta barbe. Aïe, 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 aïe. Ça te fait mal. Même si c'est un enfant qui a fait. Oh! On va le taper. Ça te fait mal. Très mal. Mais Jésus a supporté cela. Jésus a supporté cela. Il a supporté cela. Par amour pour toi. 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 Par amour. Oh! Il a été fouetté. Il a été fouetté. Je connais pas. Maintenant là, on chicote pas. Oh! Avant qu'on dit, on va chicoter un voleur. Il a été chicoté par un chicoté, mais les soldats criminels. Les soldats avec des instruments de torture. Bien aimé. Aucun homme ne peut supporter la douleur de ce que Jésus a supporté. Ce que Jésus a supporté. Il a supporté sans parler. Il a supporté sans parler. Il a supporté sans brocher. Il a supporté sans brocher. Il a supporté sans se plaindre. Il a supporté sans se plaindre. Bien aimé, Jésus t'aime. Oh, bien aimé, Jésus t'aime. La vie, qu'il t'a donné, c'est par amour. Le souffle de vie que tu as ce soir. C'est par amour. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Voilà pourquoi il a donné sa vie pour toi. C'est à cause de cela qu'il a donné. Bien aimé. Oui, bien aimé. Tu diras. Que tu as trop entendu cela. Oh, c'est toujours la même chose. Oh, Jésus nous ferme au ciel. Oh, Jésus nous aime au ciel. Nous aussi on aime Jésus. Bien aimé. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que moi, Jésus, je vous ai aimé. Tu as aimé ma vie déjà. Il a donné sa vie pour toi. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez à faire pour prouver ton amour? Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus? Qu'est-ce que tu as fait pour prouver ton amour à Jésus? Oui, bien, mais toi-même qui te dit que tu es chrétien. Moi, je suis chrétien. Toi-même qui te dit que tu es chrétien. Chaque dimanche, viens à l'église. Viens caler à l'église. Tu te dis, chante de l'éternel. Moi, je balais à l'église. Moi, je suis le pain. Moi, je fais l'accueil. C'est moi qui prends les quêtes. C'est moi qui garde l'argent. Est-ce que tu manges selon la parole de Dieu? Question.
Parce que le Dieu à nous, le Dieu à moi, tu vas manifester, que tu vas manifester à Jésus, de garder ses commandements, c'est de garder ses commandements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là le vrai amour que c'est là le vrai amour que tu dois manifester. Il ne s'agit pas des choses du monde. Il ne s'agit pas des choses du monde. Il ne s'agit pas d'aller préparer pour le pasteur. Oh, il ne s'agit pas de préparer pour maman pasteur. Il ne s'agit pas de laver. Il ne s'agit pas de laver les tapis. Les amis de. Oh, il ne s'agit pas de faire les gros dons. Oh, de faire les grosses primes, les grosses offrandes. Oh, c'est bien beau. Oui, c'est bien beau. C'est bien beau. Oui, c'est bien beau. Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Oh, est-ce que tu marches? Parce que c'est en cela. C'est en cela que tu prouveras à Jésus, que tu prouveras à Jésus, que tu l'aimes, que tu l'aimes. Aimer la parole de Dieu, ce n'est pas compliqué. Jésus t'a aimé en premier. Jésus t'a aimé en premier. Parce qu'il pouvait dire. Parce qu'il pouvait dire dans sa parole. Que nul ne vient à moi. Que nul ne vient à moi. Si le Père ne l'a convaincu. Si le Père ne l'a convaincu. Il nous a aimé en premier. Il nous a aimé en premier. Bien avant que nous naissions. Bien avant que nous naissions. Et maintenant. Comment est-ce que nous pouvons prouver notre amour? Comment nous pouvons prouver notre amour à Jésus? C'est en marchant selon la parole de Dieu. C'est en marchant selon la parole de Dieu. En abandonnant les choses du monde. En abandonnant les choses du monde. La colère, la méchanceté, les calomnies, les murmures, l'orgueil. Oh! Mais j'ai tout fait cette pureté. Parce qu'il a dit de sa parole. Aucune pureté. Aucune soumise. Aucune saleté. Dès que la parole de Dieu parle ici, on parle de la saleté de l'intérieur. De l'intérieur. Quand on parle de l'intérieur, c'est quoi? Toi qui n'aimes pas ta sœur. Parce que si je ne peux pas faire aimer Dieu. Tu es notre péché, tu es notre sœur. C'est parce qu'on t'aime. Nous sommes là. Pour te parler. Pour te dire la vérité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour te partager la parole qui est vraie. La vérité. Parce que nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous ne voudrons pas. Que tu te retrouves. Dans le lieu de tourment. Avec les regrets. Nous voulons te former. Nous voulons t'avertir. Que si tu n'aimes pas ton prochain. Commence. Commence à te repentir de cela. Commence à te réconcilier. Avec tes frères et tes sœurs. Commence à te réconcilier. Avec tes parents. Parce que si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour. Si tu n'as pas l'amour.
toute ta vie là, c'est en vain. Toute ta vie là, c'est en vain. Le Seigneur pouvait dire dans Hébreux 12, 14. Le Seigneur dit dans sa parole, Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. C'est ça. C'est ça. Tu dois être en paix avec tous. Avec tous. Sans exception. Sans exception. Même les petits comme grands. Même tes ennemis. Oh, même ceux qui te haïssent. Oh, Jésus. Même ceux même qui ne veulent pas te voir. Oh, ceux qui te soutent. Oh, tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. Tu dois prier pour eux. Tu dois prier pour Dieu. Tu dois les aimer. Tu dois les aimer. C'est en cela que le Seigneur sera reçu. 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 Alléluia. Amen. Parce que dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. On pouvait dire. Aime ton prochain. Et faut haïr ton ennemi. Mais le Seigneur Jésus dit. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Oh, la parole de Dieu est puissante. Bien aimé. Si tu ne fais pas cela. Tu n'as rien fait. Parce que. Si ta justice. Ne dépasse pas. C'est des pharisiens. Tu n'as rien fait. Si ta vie. N'est pas plus avancée. N'est pas mieux. Que ces païens. Si les païens, ils aiment ceux qui les aiment. Alléluia. Parce que les païens font aussi du bien. Même les sorciers. Les sorciers aiment les choses et les enfants. Ils aiment les enfants. Alléluia. Amen. Mais toi, tu n'es pas capable de faire mieux que ces sorciers-là. Toi qui te dis chrétien, réponds-toi. Toi qui te dis ayant accepté Jésus, réponds-toi. Toi qui te dis ayant accepté le Seigneur des choses, dis à ton prochain. Dis à ton prochain. Celui-là même qui est près de toi. Ta voisine de table. Non, celle-là. Tu le détestes. Je l'aime pas. Celle-là, elle parle mal. Moi, pour moi, reste pas à l'étranger. Moi, pour moi, dès que tu me dis en même temps, je te donne ta réponse. Non, pour moi, là, c'est au tac au tac. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Bien-aimé. Ça ne sauve pas. Tu es quel genre de chrétien? Moi, pour moi, reste pas à l'étranger. Réponds-toi. Pendant que tu es vivant. Parce que Jésus-Christ est amour. En tant que chrétien, nous devons manifester l'amour. Envers notre prochain. Alléluia. Comme Jésus l'a fait pour nous, Jésus l'a fait pour nous. Il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Bien-aimé. L'amour est un sentiment qui est tellement grand. L'amour est ce sentiment-là que le Seigneur a eu pour nous. Nous qui ne sommes rien, nous pécheurs. Bien-aimé, la manchette. Chaque jour, nous sommes dans les mauvaises pensées, nous sommes dans les mauvaises paroles, dans les mauvaises paroles. Nous prêchons. Est-ce pour cela que le Seigneur nous abandonne? Le Seigneur est amour. Jésus-Christ est amour. Il t'appelle. À pratiquer l'amour. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher la paix avec tous. Et nous devons aussi marcher dans la sanctification. Nous devons être plus saints. De corps. L'âme. Et d'esprit. Bien-aimé. Tu dois changer de vie. Si tu as vraiment accepté Jésus, ta vie doit changer. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux 6. Verset 1er. Hébreux 6, verset 1er. Écoute la parole de Dieu, bien-aimé, ce soir. La parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. C'est pourquoi. Les saints. Les éléments de la parole de Christ. Les éléments de la parole de Christ.
tendons à ce qui est parfait. Tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau, sans poser de nouveau le fondement, fondement du renoncement aux œuvres mortes, du renoncement aux œuvres mortes, le 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 renoncement aux œuvres mortes. Bien-aimé, oui, bien-aimé, ta vie chrétienne, ta vie chrétienne, va passer. Doit passer par le renoncement aux œuvres mortes. Par le renoncement aux œuvres mortes. C'est en cela que le Seigneur pouvait dire. C'est en cela que le Seigneur pouvait dire. Repentez-vous. Repentez-vous. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus. Quand tu acceptes Jésus. Tu dois renoncer à ta vie passée. Tu dois renoncer à ta vie passée. Renoncer à cette vie de péché. Renoncer à cette vie de péché. Renoncer à ces choses que tu ne connaissez pas le Seigneur. Oui. C'est ça le renoncement. C'est ça le renoncement. Tu ne dois pas être encore attaché à des choses à qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu ne dois pas être encore celle-là. Tu ne dois pas être encore celle-là. Qui cherche à séduire. Qui cherche à séduire. Qui cherche encore à appeler au monde. Oui. Tu cherches encore à plaire au monde. Tu cherches encore à plaire au monde. Toi jeune fille. Toi jeune fille. Toi jeune femme. Toi jeune femme. Tu cherches encore à plaire aux hommes. À plaire aux hommes. Les hommes ne pourront pas te sauver. Les hommes ne pourront pas te sauver. Cherche à plaire à celui qui va juger ton âme. Cherche à plaire à Jésus. Cherche à plaire à Jésus-Christ. Cherche à plaire à Jésus-Christ. Parce qu'en voulant plaire aux hommes, que tu te souilles, que tu te souilles, que tu pratiques l'impudicité sans le savoir, que tu pratiques la fornication sans le savoir, la prostitution, la prostitution sans le savoir, la séduction. La parole de Dieu est déclarée dans le livre de Matthieu 5, verset 27. Verset 27. Je résume cette parole pour dire. Oh. Il vous a été dit que celui qui commettra l'adultère, que celui qui commettra l'adultère, que celui qui couche avec une femme, que celui qui couche avec une femme, a commis l'adultère, a commis l'adultère. Mais moi, Jésus, je vous dis, mais le Seigneur Jésus te dit, que celui qui regarde une femme, que celui qui regarde une femme, vous la convoitez, vous la convoitez, dans son cœur, dans son cœur, a déjà commis l'adultère, a déjà commis l'adultère. Bien aimé, oui, bien aimé. Nous sommes en des temps. Nous sommes en des temps. Il ne s'agit pas de coucher avec une femme seulement. Il ne s'agit pas de coucher avec les femmes seulement. Parce que, une fois que tu regardes, quand tu regardes une jeune fille qui est mal habillée, une jeune fille qui peut coucher, qui a mis ses seins dehors, les cuisses dehors, les cuisses dehors, les jambes dehors, son dos dehors, son dos dehors, les aisselles dehors, et que tu la convoites, si tu la convoites, tu as couché avec elle, tu as couché avec elle, tu es coupable et elle aussi elle est coupable. Ces femmes qui portent les mini-jupes, quand elles regardent la voiture, tu la vois tout est dehors. Même si c'est testé, elle expose tout, elle expose tout. Oh, bien-aimé, tes cuisses là, tes fesses là, tous les hommes ne doivent pas voir. Vraiment, c'est ton mari qui doit voir cela. Vraiment, mais tu exposes cela, tu exposes ton corps. Répands-toi. Tu es une prostituée, tu es dans la prostitution. Tu es une prostituée devant Dieu. À Jésus, réponds-toi. Parce que quand tu seras devant le trône, il va te dire, prostituée, et tu seras étonné. Et tu seras étonné. Seigneur, je ne me suis jamais prostitué. Mais tu as exposé le corps. Tu as exposé ton corps dans tout le monde. Tu as exposé tes seins. Le seul d'exposer tes seins dans tout le monde. Tu as exposé tes cuisses. Tes cuisses, ça et là. Tu as exposé tes jambes. Tes jambes, ça et là. Réponds-toi. C'est de la prostitution. C'est de la prostitution. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas venue pour faire plaisir à quelqu'un. La parole de Dieu, c'est la vérité. Si le pasteur, si le bishop, ne t'a pas dit cela, je vais te dire ce soir. Ce soir, toi femme, habille-toi décemment, habille-toi décemment.
Les ministres ne vont pas au paradis. Jamais. La parole de Dieu pourrait déclarer. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2. Verset 9. Verset 9. Je veux aussi. Il dit, Dieu dit, je veux aussi. Que les femmes. Que les femmes. Vêtues. D'une manière décente. D'une manière décente. Avec pudeur. Avec pudeur. Et modestie. Et modestie. Cache ton corps. Cache ton corps. Quand tu t'habilles. Cache tes jambes. Cache tes jambes. Cache tes fesses. Cache ton dos. Cache tes cuisses. Cache tes seins. Cache tes seins. On n'a pas besoin de voir ça. On n'a pas besoin de voir cela. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Il ne faut pas nous condamner. Si un homme t'aime, il n'a pas besoin de regarder tes seins. Jamais. Il n'a pas besoin de regarder tes jambes. Jamais. Il n'a pas besoin de regarder tes fesses. Jamais. Pour t'aimer. Alléluia. Est-ce que tu exploites ton corps? Tu pousses les hommes. Oui. À te convoiter. À te convoiter. Tu es une prostituée. La prostitution. Réponds-toi. Parce qu'en réalité, réponds-toi. Une femme qui met son corps dehors. Oh. Ils ne vont pas te marier. Jamais. Ils vont coucher avec toi. Ils vont coucher avec toi. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de mariage. Regarde. Regarde. Les femmes qui portent pantalon. Pantalon. Les femmes qui portent collant. Collant. Elles le font pourquoi? Pour exposer. Exposer. Les fesses. Pour se plaquer. Pour se plaquer dedans. Alléluia. Exposer les fesses. Exposer les fesses. Pour séduire. Pour séduire. Dieu t'a pas créé. Dieu t'a pas créé. Pour séduire. Pour séduire. Car. Celui qui séduit. Le séducteur. C'est Satan. Le diable. Il a commencé. Il a commencé. Depuis. Dans le jardin de Ben. Il continue. Il continue. Dans le jardin de Ben. Il a utilisé la femme. Il a utilisé la femme. Pour séduire l'homme. Séduire l'homme. Il continue de le faire. Il continue de faire. Il continue de il continue à utiliser la femme. La femme. Il pousser. Pour pousser. À la séduction. À la séduction. Oui, bien aimé. Et oui. Ton corps. Ton corps. N'est pas. N'est pas. Un panneau. Un panneau. De séduction. Publicitaire. Oh, réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Car les temps sont faits. La séduction amène à le faire. Vérité. La séduction va te conduire dans le lieu de tourment. Vérité. Avec ça, tu es étonné qu'on n'a pas encore demandé ta main. Tu es étonné que le monsieur ne veut pas te marier. Mais si tu exposes ton corps. Exposer ton corps. Si tu ne caches pas ton corps. Exposer ta nudité. Le Seigneur Jésus pouvait déclarer. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens 6, verset 1. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Que tu as. Le corps que tu as. Qu'appartient pas. Et tu n'appartient pas. Sans moi, à ton mari, c'est répands-toi. Te marier comment? Répands-toi. Le diable va t'accuser. Il va t'accuser. Pantalon, pantalon. N'est pas fait pour les femmes. N'est pas fait.
Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Un homme ne portera point. Un homme ne portera point. Des vêtements de femme. Des vêtements de femme. Parce que nous qui sommes ici à ce moment, si nous étions venus en robe, en mini-jupe, en pain, il allait dire que ces hommes-là, c'est des PD. PD, c'est une évangélisation. C'est quoi ça là? Mais si vous ne portez pas là, là c'est normal. Là, il dit que c'est normal. Là, les hommes te font. Il dit que c'est normal. Là, c'est bon. Regarde. Regarde. Dans la coutume des Africains. Dans la coutume africaine. Les femmes ne portaient pas pantalon. Jamais. Les femmes ont vu ça au bras, aux Européens, aux télévisions. Et je ressemblais aux Européens. C'est la télévision qui nous a tués. Même mini-jupe. Les femmes africaines portent toutes ces choses pour ressembler aux Européens. Pour aux autres. Oh, est-ce que ces Européens-là, est-ce qu'ils adorent Dieu? Est-ce qu'ils adorent Dieu? Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils connaissent le fret? Toi qui te dis chrétien, toi qui es chrétienne, tu fais ces choses. Fais ces choses. Réponds-toi. C'est la séduction. Car l'esprit de Christ, n'est pas en toi. N'est pas en toi. Ne peut pas rentrer en toi. Jamais, jamais. Parce que tu n'es pas conforme. N'est pas conforme à sa parole. Alléluia. Les temps sont finis. Tu vas dire que non, moi j'ai duré à l'église. Moi j'ai fait 20 ans à l'église. J'ai fait 20 ans à l'église. Moi j'ai fait 35 ans. J'ai fait 35 ans. Nous là-bas, on nous a pas dit ça. Nous on porte pantalon. Nous on porte pantalon. Dieu là, regarde le cœur. Dieu là, il regarde le cœur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu déclare, dans le livre de Jean 3, à partir du verset 34, 34, car celui que Dieu envoie, dit la parole de Dieu, suit la parole de Dieu, il dit la parole de Dieu, dit la parole de Dieu, si ton prophète, ton bishop, ton pasteur, si ton pasteur, ton apôtre, ne te dit pas la parole de Dieu, dit la parole de Dieu, il ne dit pas la vérité, il n'a pas dit la vérité, il n'est pas été envoyé. Envoyé par Dieu, c'est clair. Alléluia. Nous venons ici de Dieu la vérité. Oui. Nous n'avons pas besoin de tes dîmes, de tes offrandes. C'est lui qui a besoin de tes dîmes. Il va te mentir. Nous, on vient de te mentir. On vient te dire ce jour. Oui, pour te dire la vie de femme chrétienne. Qui veut recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit. On l'appelle le Saint-Esprit. Parce qu'il est saint. Il est saint. Il est saint. Il ne peut pas descendre dans un corps. Où il y a maquillage. Dans un corps. Où il y a faux cheveux. Où il y a faux cheveux. Où il y a faux cils. Regarde. Toi-même tu attends. Toi-même tu attends. Faux cheveux. Faux cheveux. Tu attends faux cheveux. Faux cheveux. Tu attends faux cils. Faux cils. Il y a dans faux angles. Faux angles. Ces choses-là tu aimes. Et c'est les choses qu'on veut. Et tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis, c'est une chambre de l'éternel. Une chambre de l'éternel. Réponds-toi. Tu te dis, maman pasteur. Et tu as les faux cheveux sur ta tête. Non, ça t'es quitté au Brésil. C'est mèche humaine. Mèche brésilienne. Réponds-toi. Parce que tu es là avec Jésus. C'est pas bon pour toi. Ça nous a dit, viens avec tes choses, viens avec ces choses. C'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Réponds-toi. Tout en rappelant la vérité. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. À la repentance. À la repentance. Car après la mort. Après la mort. Il n'a plus le temps. Il n'a plus de repentance. Et viens la repentance. Jésus n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Il est le Dieu des vivants. Alors pendant que tu es vivant, pendant que tu es vivant, cherche à mettre de l'ordre dans ta vie. Cherche à mettre de l'ordre dans ta vie. Cherche à mettre de l'ordre dans ta vie. Car demain sera trop tard. Tu penses que tu es jeune. Non, moi j'ai profité de ma vie. Profite-toi bien. Si je meurs là, c'est fini. C'est fini. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Jeune homme. Jeune homme. Jeune fille. Jeune fille. Profite de la vie. Profite de la vie. Profite de ta jeunesse. Profite bien. Tu veux coucher avec les hommes, non? Tu vas coucher. Tu veux boire de l'air. Bon, tu veux boire. Mais sache que, pour toutes ces choses, pour toutes ces choses, le Seigneur va t'appeler en jugement. Le Seigneur va t'appeler en jugement. Tu penses que la vie que tu as là, c'est pour faire ces choses-là. C'est pour courir dans mon homme. Mon homme. Pour exposer ton corps. Non, le pasteur dit, on doit s'habiller. On doit s'habiller. Bien. Une chrétienne là. Une chrétienne. Elle s'habille bien. Elle s'habille bien. Mais est-ce que le fait de s'habiller bien, ça veut dire que tu dois mettre ton corps dehors? Jamais.
Tonani, tu exploites tes cuisses quand tu viens ta bagarre. Tonani, tu tiens là, tu es gêné, tu es gêné. Mais c'est quel souffle? Tu tiens tes jambes, tu es prêt à tirer sur ta salle. Tu chiffres seulement, tu n'as pas rentré. Mais pourtant, tu connais la taille de la soupe. Oh! Avant de porter là, réponds-toi. C'est quel souffle là? Réponds-toi. Ça va pas te ça. Oh! C'est quand tu finis de porter, oh! Pas tirer. Tu es charnel, c'est de la soupe. Tu es charnel, en réalité, réponds-toi. Nous prions le Seigneur. Un chrétien, il est spirituel. Oh, il est spirituel. Un chrétien, il marche selon l'esprit. Selon l'esprit de qui? Il marche pas selon la chair. Il ne marche pas selon la chair. Il marche selon la chair. Oh! Tu es un païen. Païen. Tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. L'esprit de Christ. L'esprit de Christ. N'est pas en toi. N'est pas en toi. Réponds-toi. Réponds-toi. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Sors de là. Sors de là. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimé, ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton âme. Une assemblée. On ne te dit pas que la vie que tu mènes. La vie que tu mènes dans la fornication. Dans la fornication. Dans les beaux regards. Dans les beaux regards. Dans l'église. Dans la masturbation. Dans la masturbation. Là où les chantres. Sont avec les chantres. Là où les pasteurs. Où les diacres. Sont avec les femmes. Où il y a même beaucoup de plus. La vie dans son Dieu comme ça. Et puis tu dis non là-bas, il y a la révélation, la révélation. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit de pureté. Jamais. C'est un esprit saint. C'est un esprit saint. Tu ne peux te sentir que dans un corps qui est saint. Jamais. Toi, il y a maquillage sur ton visage. Reprends-toi. Regarde, rouge à lèvres, rouge à lèvres. Dieu t'a créé tes lèvres naturelles. Naturelles. Là, tu aimes les lèvres roses. Il t'a donné lèvres noires. Lèvres noires. Quand tu viens avoir lèvres roses, lèvres roses tu veux. Tu es en train de te moquer de Dieu. Tu comptes. Tu es en train de dire à Dieu, tu m'as mal créé. Tu m'as mal créé. Réponds-toi. Pourquoi il a fait mes cheveux? On ne conteste pas avec son cheveux. Mes cheveux là sont trop durs. Oh! Attends, il va aller diffuser un peu. Oh, je vais te devenir comme les blancs là. Comme les blancs là. Bien mou. Bien mou. Ça va tomber sur mon dos. Oh! Non, mes cheveux là sont noirs. Ça va descendre. Au niveau de mes pères, je fais ça jaune. Oh! Ouais, c'est la mode actuellement. Ah. Tout le monde a cheveux jaunes. Oh! Et un peu pour moi la jaune. Et un peu pour moi jaune. Réponds-toi! Réponds-toi! Si ton pasteur t'a pas dit que cheveux jaunes, c'est une condamnation pour ton âme. Il ne t'aime pas. Ton pasteur ne t'aime pas. C'est un envoyé du diable. Vérité, je te le dis, bien aimé, tu peux jouer avec la vérité. Tu peux jouer avec ton travail. En goûte une seule fois. Tu peux jouer avec tout ce que tu veux. Oui. Mais ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ton âme. Une assemblée. Comme ça. Comme ça. Où on fait n'importe quoi. N'importe comment. Bien aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Pour abandonner mèche là. Tissage là, faut jeter. La jette faux cheveux là parce que les faux cheveux là tu es en train de dire au Seigneur Dieu que les cheveux qui t'a donné les cheveux que tu m'as donné ne me plaisent pas parce que c'est une injure insulte à Dieu peine-moi que j'ai là Jésus ne me plaît pas une injure je l'ai aidé comme Rihanna je l'ai aidé comme bien sûr. Alléluia. Je l'ai appelé comme Nicki Minaj. Est-ce que tu sais? Parce qu'on fabrique la peau de l'homme. Répète-toi. Est-ce que tu sais? Qu'on peut fabriquer les cheveux de l'homme. Toi, tu dis non. Cheveux là ne me plaît pas. Il y a une mèche. Ça va tomber sur le ça semble, ça descend. Et puis ma tête comme ça. Quand je passe, il faut que les hommes appellent mon numéro. Il faut qu'on me siffle dans la rue. Il faut que les hommes m'appellent. Jésus. Cette fille-là.
Oh, bien aimé. Même mes camarades sont partis. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Oh, le nom de ta pommade là. Oh, ton tel est toi, chérie. Ton tel est là. Ça brille. Ton tel est douce. Ton tel est ça brille. Ça brille. Oh. Ah. Alors que tu es né noir. Noir. Tu es né très noir. Né très noir. Mais déjà à tes 20 ans, tu es devenu libanaise. Hey. Tu n'es plus Annie. Tu es devenu libanaise. Hey. Repends-toi, repends-toi. Ne pense pas que c'est du jeu. Oh. Ne pense pas que c'est du jeu. Regarde, regarde. Dieu t'a créé avec des langues. Oh, des ongles naturelles. Tu es bien beau. Oh. Mais toi, tu n'es pas. Tu dis non. L'homme que Dieu t'a donné. Mmh. Tu aimes la fausse ongle. Fausse ongle. Fausse ongle. Fausse ongle. Toi-même, tu attends. Comment tu attends? Fausse ongle. Fausse ongle. T'as une fausse ongle. C'est bien long. Comme ça, c'est une ongle comme ça. Comme un animal. Elle ne peut même pas te parler. Comme une sorcière. Oh, les ongles du crocodile. C'est quelle souffrance. Les ongles du crocodile. C'est ça que tu aimes. Tu n'as plus d'ongles. Ce sont des griffes maintenant. C'est ça la vie. Tu deviens un animal maintenant. C'est ça la mode. C'est ça. Je suis dans la mode. Oh. Oh, je suis dans mon temps. Je suis dans mon temps. Non, actuellement, je suis swag. Oh. Tu te vois mes peintures. Et même ces moques de toi. Ces personnes. Et le diable est heureux. Ils se moquent de toi. Une mère, ma chérie. C'est vrai. Et la créature de Dieu. Oh. Qui est en train de se moquer de Dieu. Qui est en train de se moquer. Qui est en train de se rebeller de son Dieu. Rebeller du teint que Dieu lui a donné. Hey. Se rebeller des cheveux que Dieu lui a donné. Hey. Se rebeller des ondes de ce que Dieu t'a donné. Tu te rebelles du teint que Dieu t'a donné. Hey. Tout ce que Dieu a mis sur toi. Hey. Dis-lui non, ça te plaît pas. Ça te plaît pas. Sans ongles. Tout ce qui est sur son corps. Oh. Tout ce qui est sur toi. C'est la fausseté. Tu dis non, c'est fou, c'est faux. Tout est faux. Regarde. Toi, tu n'aimes pas. Toi, tu mets des photos sur ton corps. Oui. Quand tu vas au marché, quand tu vas au marché, ton corps est rempli, rempli d'artifices. Quand tu t'en vas au marché, tu vas au marché. Tu aimes acheter la chose naturelle. Alors que toi-même, tu n'es pas naturel. Artificiel. Artificiel. Répands-toi, répands-toi. Examine ta vie. Examine ta vie. Examine ta vie. Si tu dis que tu es chrétienne, je t'appelle à lire ta Bible. Lis ta Bible. Ne t'assois pas seulement en train de regarder les vidéos des pasteurs. Oh. Et non, lui, il prêche bien. Lui, il prêche bien. Il a son église est remplie. Son église est remplie. Et il met sa main comme ça, les gens tombent. Oh. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Le Seigneur pouvait dire aux apôtres. Oh. Ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas. Que les esprits vous soient soumis. Que les esprits vous soient soumis. Et tu dois te réjouir. Que le nom soit écrit dans le livre. Que le nom soit écrit. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Il va te répondre. Le Seigneur attend que tu lui poses ce genre de questions. Oui. Car il dit dans sa parole, il dit dans sa parole. Jérémie 33. Jérémie 33. Verset 3. Le verset 3. Invoque-moi. Invoque-moi. Je te répondrai. Et je te répondrai. Je te montrerai. Je te montrerai. Des grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées.
Les choses que tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Oh, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Demande le Seigneur Jésus. Jésus peut te révéler. Il va te révéler. Il peut te révéler. C'est ton pasteur. C'est ton pasteur. Ne te dis pas. Ne te dis pas. Demande le Seigneur Jésus. Demande à Jésus. Il va te révéler. Il va te révéler. Alléluia. Parce que c'est lui la parole. Il est la parole. C'est la parole qui est la vie. Alléluia. C'est la parole qui a fait toutes choses. Alléluia. La parole de Dieu peut déclarer. Oh. Il n'y a aucun nom, il n'y a aucun nom qui nous a été donné, il nous a été donné par lequel, nous pouvons être sauvés, nous pouvons être sauvés. Dans le nom de Jésus, si c'est dans le nom de Jésus, en 4 verset 12. Il n'y a que le nom de Jésus, il n'y a que le nom de Jésus. Bien-aimé, mets-toi sur tes genoux, et pose la question à Jésus. La question à Jésus. Ne pose pas la question à Marie, pardon. Parce qu'un homme ne peut pas se sauver. Marie est mort. Mourir enterré. Les morts ne peuvent pas n'attendent pas. Jamais. Les morts n'attendent pas. Jamais. Les prières des vivants. Jamais. Les morts. Les morts. Ne peuvent rien faire. Rien. Ils attendent le retour du Seigneur sur les tous. Alléluia. Amen. Pose la question à Jésus. Pose la question à Jésus. C'est pourquoi tu parles le bien. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom. Qui nous est donné. Qui nous a été donné. Sur cette terre. Sur cette terre. Qui les hommes. Parmi les hommes. Qui peut nous sauver. Qui peut nous sauver. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alors. Alors. Après ta prière à Jésus. Toi qui prie Marie. Toi qui prie Marie. Répands-toi. Répands-toi. Marie ne te sauvera pas. Jamais. Marie n'est pas morte à la croix pour toi. Jamais. Marie n'a rien fait pour toi. Jamais. C'est Jésus qui l'a fait. Jésus. Il a payé le prix. Il a payé le prix. À la croix pour toi. Jéhovah, là, c'est pas Jésus. Oh. Jéhovah, là, c'est pas Dieu. Oh. Il faut prier au nom de Jésus. Parce que c'est lui seul qui a reçu le nom. Alléluia. Au-dessus de tout nom. Parce que c'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Que tout genou fléchit. Jésus, genou fléchit. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. La terre. Et puis pas que la terre. Et sur la terre. Alléluia. Philippiens 2, verset 9. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Oui, bien-aimé. Nous avons pris le temps de te parler ce soir. Oui. Nous avons pris le temps de t'interpeller ce soir. Oui. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus. C'est aussi là, l'amour de Jésus. Oui. C'est aussi là, une prière qui vient d'être exaucée. Oui. Toi qui demandes la vérité au Seigneur, oui. En ce soir, tu as reçu une vérité. Tu as reçu une vérité. Nous t'invitons, à ouvrir la parole de Dieu. À ouvrir la parole. Nous t'invitons, à te mettre sur tes genoux, afin de poser la question à Jésus. Il est le chemin. Il est le chemin. Il va te montrer le chemin. Il va te montrer le chemin. Afin de sauver ton âme. Afin que ton âme soit. L'homme ne pourra pas te sauver. L'homme ne pourra pas te suivre. Un pasteur ne peut pas te suivre. Un pasteur ne pourra pas te suivre. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici. Nous ne sommes pas venus te parler d'une église. Oui. Nous ne sommes pas venus te parler d'un pasteur. Jamais. Nous ne sommes pas venus te parler d'un prophète. Jamais. Nous sommes venus te parler de l'ancien des temps. L'ancien des temps. L'ancien des jours. L'ancien des jours. Pierre Guillaume. Oh. Le celui-là qui a opéré de toutes choses. L'alpha et l'oméga. Celui-là qui a fait toutes choses. Le ressuscité. Il a pas tout, tout a été fait. Oh. Et rien de ce qui a été fait. Oh. A été fait sans lui. Sans lui. Nous t'invitons. Nous t'invitons ce matin. À changer de vie. À changer de vie. Nous t'invitons. À changer de vie. À changer de vie. Si tu as rejeté Jésus, il va te rejeter la terre avant. Si tu as rejeté Jésus, il va te rejeter après ta mort. Et si tu as rejeté Jésus, il va te rejeter après la mort. Et après la mort, ça sera tout à après la mort, ça sera l'éternel. Après la mort, ça sera le regret. Après la mort, ça sera si je savais. Et le pardon, si tu as rejeté Jésus, il va te rejeter après ta mort. Si tu es rejeté, oh Jésus, il va te rejeter après ta mort. Oui, après ta mort, ça sera trop tard. Après ta mort, ça sera le regret. Après ta mort, ça sera le pleurs. Après ta mort, ça sera si je savais. Si tu as rejeté, Jésus.
il va te rejeter encore avant. Si tu as rejeté Jésus, il va te rejeter encore avant. Après ta mort, ça sera trop tard. Après ta mort, ça sera l'éclat. Après la mort, ça sera l'éclat. Après la mort, ça sera si je savais. Tu as rejeté Jésus, il va te rejeter après ta mort. Tu as rejeté Jésus. Après ta mort, ça sera trop tard. Après la mort, ça sera trop tard. Après la mort, ça sera l'épreuve. Après la mort, ça sera le regret. Si tu as rejeté Jésus, il va te rejeter après ta mort. Si tu as rejeté Jésus, il va te rejeter après ta mort. Alléluia. Gloire à Jésus. Cri de guerre. 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 Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon, oh, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Oh, Jésus, tu es bon. Tu es bon, vraiment, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Jésus, tu es bon, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, tu es bon, vraiment tu es bon. Tu es bon, 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 tu es bon,
Alléluia. Bien-aimé, nous avons fini. Nous avons fini. Nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Tu as entendu cette parole. Tu as entendu cette vérité. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de vérité ailleurs. Il n'y a pas de vérité. Que cette vérité que tu viens d'attendre. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé. C'est pourquoi. Nous allons rentrer. Nous rentrons. Mets-toi. Attache-toi, Seigneur Jésus. Attache-toi, Jésus. Mets-toi. Précis, genoux. C'est Jésus-Christ, cherche réellement Seigneur. C'est Jésus-Christ, c'est tout ton cœur. Tu as entendu le message. Parce que le Seigneur Jésus, le Seigneur, lui, il te connaît. Il te connaît. C'est pourquoi il nous a vu aussi. Pourquoi nous avons vu aussi. Ce message n'est pas libéré en vain. À cause de toi, c'est pour toi. Mais nous avons fini. Nous partons. Mais reste attaché. Connecté. Le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. La grâce du Seigneur soit sur votre Amen.
tu nous as reçus. Toi, tu nous as reçus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen, amen. Toi, tu nous as reçus. Toi, tu nous as reçus. Que la grâce du Seigneur, la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Que la grâce du Seigneur veille sur toi. Que la grâce du Seigneur veille sur toi. Que la main du Seigneur veille sur toi. Que la main de la sur ta maison. Amen. Veille sur ton foyer. Amen. Veille sur ton mari. Amen. Veille sur tes commerces. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi, tu nous as rejetés. Tu nous as rejetés. Toi, tu nous as eu. Toi, tu nous as eu. Toi, tu nous as maudit. Toi, tu nous as maudit. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te révèle du chemin. Que le Seigneur te révèle à toi. Alléluia. Bien-aimé. Nous allons rentrer. Nous allons rentrer. Que le Seigneur Jésus, que le nom du Seigneur, te bénisse cette nuit. Amen. Que sa grâce, revienne dans ta maison. Alléluia. Que son action, que son action, descende dans ta vie. La vie à la mort. La vie à la mort. Le nom de Jésus. Que la vie rentre au nom de Jésus. Que la vie rentre au nom de Jésus. Que la vie rentre au nom de Jésus. Que la vie rentre dans ta maison. La manière. De la manière. Le Seigneur dit à le Seigneur a dit à Zaché. Le sang, tes sang. J'ai chez toi. Oh. Et le Seigneur dit. Le Seigneur dit. Et aujourd'hui même. Aujourd'hui. Le Seigneur rentre. Oh, le Seigneur rentre. Et bien j'explique que le Seigneur rentre dans ta maison. Le Seigneur rentre dans ta maison. Et pour que le Seigneur rentre dans ta maison. 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 Toi tu as répondu l'appel du Seigneur. Tu as répondu l'appel de Jésus. Seigneur, j'ai été béni. Le Seigneur te bénisse. Toi tu as répondu cet appel. Tu as répondu à cet appel. Que le Seigneur Jésus te bénisse. La grâce soit sur ta vie. Le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit la grâce du Seigneur soit sur ta vie. Là où il y a la mort. Là où il y a la mort. Là où il y a le mien, pour la mort. Là où il y a le mien, la mort. J'ai pris le mien de Jésus. La joie, le mien de Jésus. Le sang de Jésus. Que la mort n'est pas au nom de Jésus. Que la mort n'est pas dans ta famille. Que la mort n'est pas chez toi. Amen. Selon Ésaïe 7:7. Que la mort. La mort. Tout plein d'ennemis. Soit ni le sang de Jésus. Soit ni le sang de Jésus. Toi, tu as reçu. Toi, tu as reçu. Toi, tu as reçu. Répondu l'appel, tu as entendu le chef. Regarde, Ésaïe 8, verset 10. Ésaïe 8, 10, me dit. Sur la base de cette parole, sur la base de cette parole, et tout programme, tout projet, programme, du malin, du malin, du monde des ténèbres, du monde des ténèbres, du Satan, du diable, sur ta vie, sur ta vie, j'ai mis les seuls de tes choses, je suis au nom de cette parole, à nous, la vie, la soeur de ta vie, à nous, je m'en lisais ta vie, je vous accompagne, et tu la grâce, de la bénédiction, je vous accompagne. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Amen. 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 Jésus revient pour nos enfants. Jésus revient chercher son église. Vous savez pourquoi que Jésus revient.